Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les essais qu'on va réaliser parce que la gare routière de Brest est sur le point d'être mise en service à partir du 29 février 2024. Et là, j'ai pris un grand car, donc c'est un véhicule de 13,30 m. On est au car Le Brise à Guipava. Et l'idée, c'est que je fasse dans un premier temps une conduite qui est expliquée. Comme on va aller dans le centre-ville de Brest, ça va être intéressant. Et une fois qu'on arrive près de la gare, je vais ensuite faire quelques essais, notamment au niveau de la sortie des quais de stationnement, pour voir si l'espace est suffisamment grand. Et là, je vais prendre à gauche. Plus facile de passer par là. Donc là, dans un premier temps, je t'explique un peu comment, quels sont les gestes que j'utilise pour la conduite, notamment au niveau du regard et à l'anticipation. Et ça va être surtout intéressant quand on va arriver en centre-ville, même si là, ça va être assez calme parce qu'il est déjà 9h30, donc il y aura moins de monde au niveau circulation. Alors on est avec un, donc comme je disais tout à l'heure, un Intouro de 13,30 m de longueur, équipé d'une boîte automatique ZF Eco Live. Que dire de plus? Ouais, je pense que c'est tout. Enfin, ce véhicule-là fait pas la ligne, il assure surtout des services scolaires. Il est surtout affecté sur la 2620. Il fait du Guipava jusqu'à Landerneau. Alors, ce que je fais, tu vois, quand je conduis, et ça c'est assez régulier, c'est vraiment de regarder régulièrement dans mes rétroviseurs. Ça c'est plus pour la position du véhicule sur la voie de circulation. Alors quand tu vois, quand il y a des virages, je vais chercher aussi mon regard assez loin pour voir s'il y a des véhicules qui arrivent en sens inverse. Et si c'est le cas, bah j'anticipe et j'essaye de serrer au mieux côté droit pour pas gêner les véhicules que je croiserai. Donc là, hop, j'arrive à un rond-point, je tourne à droite, donc je mets mon clignotant, je regarde dans mes rétroviseurs. Donc j'active en même temps les essuie-glaces parce que il pleut un petit peu, mais pas suffisamment pour les mettre de façon permanente. Donc là, je regarde mon rétroviseur droit parce que on arrive près du trottoir pour pas monter dessus. Donc là, je prends de la vitesse. Donc là, à chaque fois quand c'est bien dégagé et puis il y a la possibilité, j'accélère assez, j'enfonce assez rapidement la pédale d'accélérateur pour prendre de la vitesse. Après, pas trop ici parce que dans le cas présent, il y a un rond-point. Donc là, j'utilise uniquement le ralentisseur, j'utilise pas du tout la pédale de frein. Je regarde dans ma rétroviseur et là je mets le clignotant parce que on va prendre à droite. Et là j'ai le temps de passer donc j'accélère. Je regarde dans mon rétroviseur droit si je suis bien placé pour pas toucher le trottoir. Et là je prends de la vitesse, j'accélère au maximum pour vraiment sortir après de cette voie express à une vitesse assez raisonnable. Donc là, je regarde dans mon rétroviseur gauche, voir comment c'est au niveau de la circulation. Je regarde aussi dans mon angle mort s'il n'y avait pas de voiture. Il n'y a personne sur la voie de gauche, enfin de droite. Donc je me place. Et là, je vais me stabiliser à 90. Alors je vais allumer mes feux parce que je me rends compte que j'avais pas les feux allumés. Et là, je mets les essuie-glaces en position permanente pour pas être gêné avec la visibilité. Alors là, tu vois, je m'aperçois que je suis un peu trop près de la voiture qui est devant moi. Donc je vais ralentir un petit peu pour avoir un espace suffisant. Donc là, pareil, je regarde dans mon rétroviseur, voir comment c'est derrière. Et là, je reprends la vitesse. Alors ce que je vais faire, je vais passer par le port de commerce parce que ça sera plus facile. Que c'est la partie où il y a le moins de travaux.
dans Brest, hein, parce qu'en ce moment il y a les travaux avec la nouvelle ligne de tram. Donc là je vais tourner à droite à la prochaine, donc je regarde dans mon rétroviseur, je mets mon clignotant à droite. Et je vais déjà lâcher la pédale d'accélérateur. Et là je laisse le véhicule couler. Comme ça il va tout simplement perdre la vitesse en douceur. On est à 60 km/h, c'est limité à 70, donc on va être bien. Je me positionne dans la bretelle de sortie. Je mets deux plots de ralentisseur, comme ça j'ai pas besoin de freiner. Je regarde beaucoup. Je pose mon regard assez loin pour voir s'il n'y a pas de ralentissement, si c'est bien libre devant moi. Et là, je regarde aussi mes rétroviseurs, voir si je suis bien positionné sur la voie de circulation. Et le rétroviseur que j'utilise comme le plus, c'est vraiment le rétroviseur côté droit. C'est ce qui me sert le plus souvent. Donc là, je vais chercher aussi mon regard assez loin, voir comment c'est devant. Je regarde dans mon rétroviseur s'il n'y a personne là. Je regarde l'angle mort, je mets le clignotant. Il n'y a personne, donc hop, je sors de la voie de la bretelle de sortie. Et là, on arrive à un rond-point, donc je vais anticiper. Je regarde dans mon rétroviseur ici à côté droit. Je mets un plot de ralentisseur, deux plots de ralentisseur. Je vais baisser ma tête pour voir s'il n'y a personne dans l'angle mort. Hop, je mets mon clignotant à droite pour dire que je me déporte sur la voie de droite. Et là, hop, je vois que la voie est libre. Donc je reprends la vitesse, je mets mon clignotant côté gauche parce que je ne vais pas sortir là tout de suite du rond-point. Je vais sortir sur la deuxième sortie, donc là c'est la première. On arrive à la deuxième, donc je mets mon clignotant à droite, je regarde dans mes rétroviseurs. Et là pareil, je vais regarder mon rétroviseur droit, voir si je suis bien placé. Au niveau notamment de la bordure. Là je prends de la vitesse, je regarde au loin si au niveau circulation s'il n'y a pas de ralentissement. Et là j'accélère au maximum pour vraiment prendre de la vitesse. Donc là je pareil hein, mon rétroviseur droit, je regarde si je suis bien placé sur la voie de circulation. Et je vais essayer, tu vois, de ne pas être trop près de la voiture qui est devant moi. Donc là, je suis bien hein, parce que j'ai une distance qui est suffisamment importante. Et comme on arrive à un rond-point un peu plus bas, j'anticipe un peu. Je mets un plot de ralentisseur, deux plots. Je regarde dans mon rétroviseur, voir comment c'est derrière moi. Donc là, je rajoute un troisième plot pour vraiment ralentir le véhicule et peut-être pour éviter d'appuyer sur la pédale de frein. Je mets mon clignotant côté gauche parce que je vais sortir à la troisième sortie du rond-point. Je joue avec mon ralentisseur pour essayer d'anticiper au maximum et d'éviter si possible d'appuyer sur la pédale de frein. Mais je vais devoir parce que il y a une voiture qui arrive à ma gauche. Hop, j'accélère, je reprends de la vitesse. Je regarde ici dans mon angle mort s'il n'y a personne. Et là, je me place en quart toujours à l'extérieur. Côté extérieur du rond-point. En quart, on reste tout le temps à l'extérieur. Donc là, je laisse mon clignotant côté gauche. J'anticipe un peu, je regarde dans mes rétroviseurs et là, je mets mon clignotant côté droit, je prends assez large et hop, je reprends de la vitesse. Je regarde dans mon rétroviseur droit, voir si je suis bien placé. Et pareil, tu vois, je vais chercher mon regard assez loin pour voir comment ça se passe devant moi au niveau circulation. Donc je regarde dans mes rétroviseurs aussi pour mon positionnement sur la chaussée. Donc là je suis à 80 km/h. Pareil, je vais regarder assez loin pour voir s'il n'y a pas de ralentissement par exemple. Là je suis à 85 km/h, on est limité à 90, donc on est bien. Je vais faire attention de ne pas aller trop vite parce que pour garder une distance de sécurité assez importante. Donc là je ralentis un petit peu, on va arriver à un rond-point un peu plus haut, je regarde dans mon rétroviseur, voir mon placement, voir s'il y a des voitures qui me doublent aussi par exemple. Et là je vais mettre mon clignotant côté gauche et anticiper. Un plot de ralentisseur,
vais essayer pareil de ne pas utiliser la pédale de frein. Deux plots. Je regarde ce qui se passe devant moi. Et ensuite, je regarde s'il y a des véhicules qui arrivent de mon côté gauche dans le rond-point. Il n'y a personne, donc je reprends de la vitesse, j'accélère, je regarde mon rétroviseur droit pour voir ma position si je pour éviter de toucher le trottoir. Et là, je vais prendre la prochaine sortie. Donc, hop, je mets mon clignotant droit pour avertir les autres automobilistes de mon intention de tourner. Hop, ici, je prends assez large pour pouvoir tourner et je reprends de la vitesse. Là, je regarde assez loin pour voir comment ça se passe au niveau circulation. Là, je suis que à 70 km/h, je prends un peu de vitesse. Alors là, je fais des appels de phare pour dire au routier qu'il peut se repositionner côté droit, comme il a un véhicule qui est assez long. Là, je mets des poudres ralentisseurs parce que la distance de sécurité n'est pas très importante entre la voiture qui est devant moi, par exemple, et l'autocar. Donc là, je descends à 70 km/h. J'essaye, tu vois, d'avoir une distance correcte entre la voiture et moi. Donc là, j'ai un peu de ralentisseur. Vu qu'on est en descente, avec l'inertie, le véhicule il prend de la vitesse. Et là, on va prendre à droite, on va suivre le camion. Donc là, je regarde dans mon rétroviseur. Hop, je mets un peu de telmois. Clignotant à droite et là on va sortir ici. Donc là pareil, je vais essayer de pas utiliser la pédale de frein parce que il y a juste à ralentir. Donc là j'ai des plots de ralentisseur, j'ai mon clignotant côté droit, je vais prendre assez large ici pour pas abîmer, frotter le car, tu vois, contre le bloc en béton. Je regarde dans mon rétroviseur droit si je suis bien placé, je regarde ici. Il y a un CD passage, donc je regarde s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Il y a une voiture qui arrive mais qui me laisse passer. Je mets mon clignotant côté gauche et là je prends de la vitesse. Je regarde dans mon rétroviseur côté gauche voir si tout se passe bien. Et là je prends de la vitesse et je regarde au loin, toujours au loin, pour voir comment ça se passe au niveau circulation. Donc là on est à 80 km/h. Alors là c'est calme hein, parce que il n'y a pas grand monde sur la route. Si on était venu ici une heure plus tôt, ça aurait été autre chose parce que en général ça bloque dans Brest beaucoup entre 8h jusqu'à à peu près 9h. Ça dépend des secteurs, mais ici je pense que ça doit être quand même bien chargé aux alentours de 8h30 quoi. Donc là j'essaye de pas trop me rapprocher du véhicule qui est devant moi pour avoir un espace assez important. Je regarde dans mon rétroviseur droit mon placement, voir au niveau de la bande si je suis bien placé. Là je vais ralentir un peu, je mets un plot parce que je trouve que je suis un peu trop près de la voiture qui est devant moi. J'essaye d'avoir une distance un peu plus importante. C'est limité à 90, bon je suis que à 60. Alors, j'aurais pu la doubler aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup, là on est à 70. D'ailleurs il y a un car qui... Ah bah un car de la ligne 1 qui est sur le point de me doubler. Ça c'est le car qui va à la gare de Brest, ligne 20 qui passe par là. Alors sur cet horaire là il fait Porte de Gouinou et il va jusqu'à la gare. On a un horaire le matin dans le sens aller qui va là-bas et un autre dans le sens retour qui va quand il va arriver à la gare de base de Brest, après il va repartir. Et justement je pense à un truc, comme il va être à la gare de Brest en même temps que moi, je vais aller lui demander s'il peut venir avec moi faire les essais. Ce sera encore plus intéressant avec deux cars, parce qu'on devait aller avec deux cars, sauf que le collègue qui devait venir avec moi, il n'a pas de véhicule disponible. Donc là, vu qu'il y a un car là disponible qui va arriver à la gare de Brest, ça va être intéressant d'aller avec lui si c'est bon en temps. Normalement ça devrait le faire. Donc là je vais ralentir un peu parce que j'aime bien avoir quand même une distance assez importante entre mon autocar et le véhicule qui est devant moi.
Bon, là, je regarde assez loin parce qu'on arrive à un giratoire. Bon, nous, on va aller tout droit. Donc, pareil, je regarde dans mon rétroviseur mon placement. Alors, je vais mettre un peu de désembuage. Hop, donc là, je vais ralentir parce que je vais un peu trop vite. Je mets des plots de ralentisseur. Je mets mon clignotant à droite. On va suivre tout simplement l'autocar qui est devant nous. Hein. Et là, je regarde à gauche, mon angle mort, voir s'il n'y a personne qui me double. Et là, je prends assez large pour ne pas accrocher quand je vais tourner. Et là, je me repositionne, je regarde dans mon rétroviseur droit, mon placement. Et là, hop, je reprends la vitesse, je regarde loin, ça circule bien. Et là, je reprends de la vitesse. Je regarde mes rétroviseurs, voir si je suis bien placé. Donc là, je fais attention parce qu'il y a une voie qui va être réduite. Donc je regarde s'il n'y a personne qui est en train de me doubler. Donc je regarde mon rétroviseur gauche, là, mon angle mort, c'est bon. On arrive à un rond-point, donc je regarde mon rétroviseur, mes rétroviseurs. Je mets un plot pour ralentir un peu et je mets mon clignotant côté gauche parce qu'on va aller prendre la troisième sortie, il me semble, ou quatrième. On va aller vers là-bas. Hop, donc là, j'anticipe, je mets les plots de Thelma, il n'y a personne en rond-point. Hop, je reprends un petit peu d'accélération, je regarde mon angle mort, je regarde mon rétroviseur droit, mon rétroviseur gauche. Hop, je vais suivre le car qui est devant moi. Et je remets mon clignotant côté droit, je prends assez large ici pour être bien. Je regarde mon rétroviseur droit, mon placement, et là je reprends la vitesse. Là je mets un plot de ralentisseur, deux plots. Je regarde mon rétro, voir si tout se passe bien, parce qu'il y a une voie aussi cyclable juste à ma droite. Hop, là, je mets mon clignotant côté gauche, je regarde mes rétroviseurs, clignotant droit, mon rétroviseur droit. Ensuite, clignotant gauche, je regarde mes rétroviseurs, surtout le droit. Hein. Et là, je fais attention de prendre assez large pour pouvoir me positionner une fois que j'ai tourné à la sortie du rond-point. Hop, je me déporte légèrement. Donc je fais attention au niveau de mon placement dans le rétroviseur et là je reprends la vitesse. Je me déporte un peu à gauche parce qu'il y a des voitures qui sont pas très bien garées, qui débordent un peu sur la voie de circulation. Donc je suis assez attentif, je regarde dans mon rétroviseur mon placement. Je vois qu'il y a un camion ici, donc hop, je mets un peu de ralentisseur, je mets mon clignotant pour me décaler légèrement, pour montrer aussi l'attention de me décaler légèrement sur la gauche. Je me repositionne bien, j'ai dépassé le camion, je fais attention aux voitures parce qu'elles sont... Elle déborde un peu comme sur la voie de circulation. Et là, je mets mon clignotant côté gauche, je regarde mon rétroviseur côté droit. Hop, ici je prends bien comme il faut, un petit peu à gauche pour prendre assez large pour pas monter sur le trottoir. Je regarde mon rétroviseur côté droit. Là, je regarde devant moi, c'est bon. Hop, je regarde mes rétroviseurs, je mets mon clignotant à droite. Et je reviens chercher de la vitesse, pas trop, parce qu'on arrive sur un ralentisseur. Je lâche la pédale d'accélérateur. Je laisse le car couler. Hop. Et je reprends l'accélération une fois que mon premier essieu est passé sur la ralentisseur. Donc là, je ralentis, enfin je lâche la pédale d'accélérateur, je mets 1, 2 plots de Thelma, je lâche les plots de Thelma pour redescendre du ralentisseur en douceur. Je reprends l'accélération, je regarde dans mon rétroviseur mon positionnement. Et là, la voie est bien libre devant moi, donc je regarde ma vitesse, 40 km/h. Je mets mon clignotant côté gauche, on va suivre le car que tu vois peut-être sur la vidéo qui est un peu plus loin maintenant là. En face de nous, je regarde mon rétroviseur droit, je regarde s'il n'y a personne dans le rond-point, hop, je reprends un petit peu de vitesse, j'accélère légèrement, je lâche la pédale d'accélérateur parce que on ne va pas prendre la première sortie mais la deuxième, je mets mon clignotant maintenant à droite, je prends assez large pour ne pas toucher les plots qui sont là sur ma droite, je regarde mon rétroviseur droit, ma position sur la chaussée et là je reprends la vitesse. Donc là devant il n'y a personne donc c'est parfait. Je ne vais pas accélérer trop fort parce qu'il y a un ralentisseur, donc là je lâche la pédale d'accélérateur. Je mets un plot de Thelma, deux plots de Thelma
trois plots de Telma et j'enlève tous les plots de Telma. Hop, mon essieu est passé, mon premier essieu, donc je prends un peu de vitesse, j'appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur. Hop, là on va redescendre, donc je lâche la pédale d'accélérateur, je mets un plot de Telma, je relâche. Et hop, pareil, le premier essieu est passé, donc je reprends de la vitesse en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Ensuite, hop, je regarde mon rétroviseur, je mets mon clignotant côté droit parce qu'on va tourner à droite. Un plot de Telma, deux plots de Telma parce que je veux pas appuyer sur la pédale de frein, hein. À chaque fois c'est beaucoup d'anticipation. Je regarde ma position avec le rétroviseur ici côté droit. Je regarde aussi au niveau des angles morts si tout va bien. Prochain rond-point ici à droite, donc je regarde d'abord mes rétros, je mets mon clignotant à droite, hop. Bon, là j'ai dû appuyer sur la pédale de frein parce que je savais pas si la voiture allait avancer ou pas. Donc là, je tourne à droite, je reprends de la vitesse, je regarde mes rétroviseurs pour la position du car. Et là, on va aller tout droit. Donc là, je mets mon clignotant à gauche, je regarde d'abord les rétroviseurs, j'analyse un peu la situation. Il y a une voiture ici, donc j'appuie sur la pédale de frein. Il y a une autre voiture, mais c'est bon, elle s'arrête. Donc là, mon clignotant à gauche, là, je vais maintenant le mettre à droite. Je regarde mon rétroviseur droit pour la position du car sur la voie de circulation. Je regarde devant moi. Ça, tout va bien. Ici, hop, j'arrive sur le Dodan. Donc là, je reprends la vitesse une fois que le premier essieu est passé. Deuxième essieu est passé à la descente du rond-point. Donc je reprends la vitesse maintenant. Et là, hop, je regarde mon rétroviseur droit, mon placement sur la voie de circulation. Parce que là, il y a une piste, une voie cyclable. Donc j'essaye de pas être sur la voie de cyclable, mais d'être bien côté droit aussi quand même pour mon positionnement. Hop, je regarde mon rétroviseur gauche pour voir aussi mon placement par rapport à la bande centrale. Et là, je regarde loin devant moi. Et on arrive en gare de Brest. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer directement dans l'ancienne gare. Je vais aller voir mon collègue pour demander s'il peut venir avec moi faire des essais. Donc là, je mets mon clignotant côté droit, je regarde mon rétroviseur côté droit. Et je vais ensuite ici tourner à droite. Je regarde comment ça se passe dans le rond-point, il n'y a personne. Hop, c'est bon. Donc, je tourne ici côté droit, je regarde dans mon rétroviseur côté droit. Et là, je reprends de la vitesse. Alors, mon collègue, il est garé au niveau du quai ici. Je vais voir à quelle heure il part, parce que s'il part à 10h, ce sera trop juste, parce que là, il est 9h51. Maintenant, s'il part qu'à 10h15, ça peut le faire. À voir. Donc là, j'écarte assez, donc je regarde dans mon rétroviseur droit parce que je vais tourner ici. Hop, je regarde les deux rétroviseurs pour bien me placer. Je prends assez large parce que ici il y a des plots. Je regarde mon rétroviseur, je me place hop, comme il faut et je vois un stop. Je regarde s'il n'y a pas de piétons parce qu'il y a des piétons qui passent et hop, je m'arrête ici. Au stop. Allez, je reprends. J'accélère, je regarde mes rétroviseurs, bien regarder s'il n'y a pas de piétons parce que ici il y a des piétons qui passe en gare et je vais aller voir mon collègue voir s'il peut venir faire des essais. Je vais d'abord enlever les plots, donc je vais lui dire d'attendre un peu et puis je vais peut-être l'appeler pour voir à quel moment il peut-être faire les essais avec moi. Je vais aller le voir et je reviens te dire. Ah, moi je sais, moi je roule pépère. Tu peux repartir à quelle heure? 10h10. Est-ce que tu pourrais venir avec moi parce que j'aimerais bien avoir deux cars faire des essais sur la nouvelle gare. Okay. Mais je t'appelle parce que à moins que tu as quelque chose à faire. Ouais, je vais aller boire un café. Ah, mais ce sera bah, tu pars à 10h10. Ouais. Je vais voir déjà comment c'est. Ouais. Peut-être d'ici 10 minutes quoi. Ouais, donc on boit un jus. Ouais. Ouais, je t'appelle mais je dois enlever déjà tous les plots. Ouais, je vais aller voir. Moi, je t'appelle. Ouais. Bon, je vais déjà voir comment c'est. Hop. Alors là, je regarde dans mes rétroviseurs si il n'y a pas de piéton ou de voiture à proximité. Donc là, je regarde dans le rond-point parce que je vais faire
Je vais aller juste à côté de la nouvelle gare. Je regarde mes rétroviseurs. Je regarde surtout ici l'angle mort, voir s'il n'y a personne là. Et je vais serrer à droite parce que je vais me positionner à droite. Je vais bouger un peu les plots parce qu'il y a des plots là qui va falloir que j'enlève pour pouvoir passer. Je mets mes feux de détresse. Je me positionne bien. Et ensuite, je vais reculer légèrement pour pas que mon véhicule gêne la visibilité des piétons parce que je suis près d'un passage piéton. Donc je vais reculer légèrement et je vais ensuite aller enlever tous les panneaux qui sont devant là pour pouvoir faire les essais. Et puis une fois que je serai en place, je vais appeler ensuite mon collègue voir s'il peut venir avec un autre car. Comme ça ensuite je vais aller faire des photos. Donc je vais enlever les plots. Ça va, ils sont pas trop lourds parce que des fois il y a ce qu'ils mettent, c'est de l'eau dedans et des fois ils mettent du sable. Et c'est vrai que des fois, quand il y a, tu vois là, il est vachement léger celui-là, et quand il y a beaucoup de sable ou beaucoup d'eau dedans, c'est assez galère après à déplacer. Bon, ceux-là là-bas, je vais les laisser parce que ça va le faire. Alors, ce que j'essaye d'abord là, c'est de me positionner dans le quai numéro. Je crois que c'est le quai numéro 1. Merde, je vais ouvrir la porte arrière. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, parce que hier c'était barré. Et là, j'ai l'impression que c'est pas barré un peu plus loin, voir la giration. Ça va être important de voir si on peut faire la giration comme il faut. Donc là, je rentre dans la nouvelle gare routière de Brest. Je regarde au niveau largeur comment c'est. Ouais, ça le fait bien. Donc là, je mets au niveau du quai numéro 1. Et ce qui va m'intéresser, c'est de voir, tu vois, quand je vais reculer pour sortir du quai, ce que ça donne. Bon, là pour l'instant, c'est pas très intéressant. Je suis à quai. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais reculer et je vais voir la place que je prends, parce que là, je suis avec un quart de 13,30 m. Quand je suis au bout en fait. Donc là, mon essieu, mon premier essieu arrière droit est passé. Donc là, je vais pouvoir tourner le volant. Et là, c'est là que c'est intéressant, je pense. Parce que ouais, je vais m'arrêter là. Je vais prendre des photos. À partir de là, je vais prendre des photos pour voir quelle place prend le car quand il recule, pour voir surtout le débordement sur la voie qui est à côté. C'est juste un repère. Ce que tu dois savoir ici, c'est qu'il y a une grande voie ici, tu vois, qui est assez large, qui va permettre au car soit de rentrer, soit de sortir. Et notre inquiétude, c'est de voir, même si les conducteurs seront vigilants, quand il y a un car qui va être sur la voie de gauche pour aller au quai plus loin,
si quand un autre recule, qu'il y ait quand même suffisamment de place. Donc je vais faire quelques photos. Là, j'étais là, tu vois, au niveau du quai numéro 1, et donc je suis rentré dans le quai, j'ai reculé. Et là, je vais voir maintenant comment je suis placé quand je recule. Et pour voir comment je déborde ici sur le sur la voie qui est à côté, quoi, en fait. Ah, c'est plutôt bien, hein. Parce que pour t'expliquer le comment l'objectif des essais, c'est que vérifier la place qu'il y a ici, la largeur, parce que quand un car recule, il faudrait pas que celui qui passe ici, tu vois, qui va stationner plus loin, soit gêné, quoi. Donc c'est d'où l'importance de déjà quand les cars vont reculer de prendre son temps et de pas trop reculer sur cette voie parce qu'il y aura la circulation. Donc là c'est plutôt bien, je vais faire quelques photos. Alors là, deuxième essai qu'on va faire, c'est de voir si on peut faire la giration correctement. Alors je sais pas si c'est barré là-bas ou pas. J'ai l'impression que ça va pas être possible. Bon, on va tester, on verra bien, parce que hier c'était en travaux et je crois que c'est pas terminé. Parce que donc là on a regardé déjà la place que prenait l'autocar quand il reculait, donc c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même assez large. Après ici donc il y a 9 quais au total. Et ce qu'il faut qu'on voie maintenant, c'est là-bas comment ça se passe au niveau de la giration. Alors par contre, tu vois ce que je disais tout à l'heure à mon collègue que j'ai au téléphone, c'est qu'il y a des voitures qui commencent à passer. Alors, je viens juste d'ouvrir là, hein, c'était tu l'as vu, c'était fermé avant. Et il y a déjà des voitures qui passent alors que sont censées passer ici uniquement les véhicules de transport en commun. Bon, bah là je pourrais pas faire l'essai. Pourquoi? Parce que tout simplement. Ah ouais, c'est pour ça que tout à l'heure la voiture est passée à contresens. Parce que ici, je vais aller voir à pied, mais ils ont prévu de faire la giration juste, juste après ici, côté gauche. Viens. Bonjour! Comment? Vous avez vu que c'était barré? Enfin, il y avait un panneau sens interdit sur votre car? Ah, parce que là, vous êtes sur un espace qui est réservé au transport en commun? Ah oui, vous êtes obligé, ouais. Ouais, bonne journée. Ouais, on était un peu perdu, je crois. Donc, je vais aller voir à pied. En gros, l'idée, c'est de voir si comment est l'espace là-bas pour la giration. Alors je pourrais pas faire l'essai parce que là c'est encore en travaux. L'essai qu'il faut qu'on réalise, c'est que quand on arrive au bout ici, que l'autocar il fasse la giration et qu'il reparte après dans l'autre sens. Par contre, est-ce qu'il y a assez d'espace là? Pour l'instant, je sais pas. On va aller voir ça. Et après je vais être obligé de sortir en marche arrière. Vu comment c'est, j'aurai pas d'autre choix. Alors voilà où je suis, donc là c'est sur la voie de sortie et voici comment ça se présente avec les travaux en cours. L'idée c'est que on aille par là en quart et qu'on puisse faire la giration hop, comme ceci pour repartir ensuite vers là-bas. Alors voilà comment ça se présente ici. Je sais pas du tout si ça va le faire. Avec le porte-à-faux, je pense que oui. Par contre, il faut vraiment être vigilant parce que ici, il va falloir avancer assez loin. Bon, après, l'écart, ça braque bien. Et ensuite, avancer ici suffisamment pour ensuite tourner vers là. Et ce qui veut dire que il faut vraiment qu'il n'y ait aucune voiture garée là pour qu'on puisse tourner correctement.
Là, comme ça, je n'arrive pas à savoir si ça le fait ou pas. C'est pas facile. L'espace n'est pas très grand quand même. L'espace n'est pas très grand, je trouve. L'idée, c'est de faire des essais quand les travaux seront terminés. Pour résumer, donc le car, il arriverait là et il prendrait ici. Mais je trouve que l'espace n'est pas très grand quand même. Et ferait comme ça pour repartir ensuite comme ça. Alors l'avantage par contre de ce côté-là, c'est que l'espace est assez important. Donc vraiment faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucun stationnement ici. Autrement, ça va être trop compliqué. Mais par contre, c'est l'espace ici. L'espace ici n'est pas très très grand. À voir. Bon, je pense que là, il faut tester en situation réelle pour se rendre compte. Là, je saurais pas dire. Premier abord, comme ça, ça me paraît juste quand même. Hein. Ça me paraît juste. Après, bon, c'est rien de mieux que des essais en situation réelle pour se rendre compte. En tout cas, là, pour l'instant, on va dire que le premier essai réalisé à l'intérieur de la gare routière est plutôt positif. Et il faudra juste être vigilant avec les automobilistes là qui viennent pas dans cette gare. C'est ce qui risque d'arriver là, parce que en peu de temps, il y a quand même beaucoup de voitures qui sont passées là par le sens interdit, sauf transport en commun. Donc là, on va reculer pour repartir là-bas, tu vois, et pouvoir sortir. Là, il va falloir être vigilant. Alors là, c'est surtout qu'il va falloir être très vigilant à la sortie là-bas. C'est pour ça que j'ai bien fait d'arriver en heure creuse pour sortir du rond-point. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre une photo. Je vais déjà reculer un peu. Je vais mettre à quai et je vais voir une fois que le car est à quai la place qu'il prend, parce que quand il y a des autocars qui vont circuler et qui vont ensuite partir, il faut prendre en compte la longueur du véhicule. Bref, là je vais reculer, je vais mettre sur un quai. Ouais, pour revenir à l'espace là-bas, ça me paraît comme assez juste. Hein. Là-bas, quand on va devoir revenir faire la giration, ça me paraît juste. Bon, bref, à revoir. Je pense que l'idée, c'est de revenir faire un essai. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste me placer dans un quai. Et voir la place que prend l'autocar sur cette voie-là une fois que je suis à quai. Alors, sachant qu'il y a des quarts de 14 mètres, là je suis avec un quart de 13,30 m. Et il y a des quarts qui font par exemple la ligne 31, donc Quimper-Brest, qui font 14 mètres. Donc, sont quand même un peu plus longs. Je vais mettre un au pif là, je vais mettre là, dans ce quai ici par exemple. Là je suis pas bien là, parce que là, si j'avance encore je vais monter sur le trottoir, donc ça fait pas, j'étais un peu trop vite. C'est pour ça que ce qu'il faut voir aussi, c'est ouais, la place que prend le véhicule quand je suis à quai. Donc là pareil, tu vois, quand je me gare, je regarde beaucoup mon rétroviseur côté droit pour voir à quel moment mon essieu arrière est placé. Et là après, hop, je me place et ensuite je reste droit. Et ce que je fais aussi, c'est que c'est important que les roues soient bien avancées pour que quand j'ouvre la porte, le client, hop, il soit directement qu'il n'y ait pas d'espace de jour, si tu veux, entre le trottoir et l'arrivée dans le car. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de bien avancer au niveau de son porte-à-faux avant, ici en gare routière de Brest.
pour que quand tu ouvres la porte, les passagers descendent directement sur le trottoir et qu'il n'y ait pas d'espace de jour, si tu veux. Parce que si je ne m'avance pas assez, ce qui peut arriver, c'est que je sois, qu'il y ait encore un trou entre la bordure, si tu veux, et le trottoir, et que le client risque de chuter. Donc c'est pour ça que je m'avance bien. Et là, je vais faire quelques photos. Alors ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est de voir la longueur que ça prend, tu vois, ici en sortie, on va dire, de quai. Parce que voilà, quand il y a des autocars qui vont circuler ici, il va falloir qu'ils soient vraiment vigilants. Quand il y en a un qui va reculer, qui sert vraiment bien ici et surtout qui roule pas trop vite. Et pareil ici, quand il y en a un qui sortent tout doucement. Et autre chose aussi qu'il va falloir qu'on voie, c'est qu'il n'y ait pas d'écart qui partent en même temps. Ça serait bien que par exemple ici, il n'y ait pas des horaires où les deux cars sortent en même temps, tu vois. Et pareil, à chaque fois qu'il y a des quais proches les uns des autres, que des cars partent pas en simultané aux mêmes horaires. Parce que on a vu que les accrochages, ça arrive là aussi quand on sort à la même heure d'un quai. C'est le cas des fois à Landerneau, par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir des départs décalés, qu'il n'y ait pas deux quais proches qui partent en même temps. Alors au niveau de la gare routière à l'intérieur, pour faire un bilan, c'est plutôt positif. Donc au niveau des quais de stationnement, au niveau de la largeur de la voie de circulation, tout ce qui est intérieur, gare routière, c'est plutôt bien. Alors à tester après en situation réelle, parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, il n'y a qu'un seul car, à voir comment ça va, qu'est-ce que ça va être quand il y aura tous les véhicules ici, notamment en heure de pointe. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est quand il y a des véhicules qui arrivent, d'autres partent, notamment quand par exemple il y a une marche arrière avec un départ et qu'au moment il y a un autre véhicule qui arrive, de voir comment ça vit ici. Et par contre, un élément qui est, où je suis quand même assez dubitatif, hein, je suis assez inquiet pour être clair, c'est que là-bas, je trouve que l'espace il n'est pas suffisant. Pour la giration là-bas, ça m'interroge. Bon, pour l'instant c'est barré, donc je peux pas le faire, le test. Ça serait bien qu'une personne fasse le test avant l'ouverture de la gare. Bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est repartir en marche arrière parce que ici c'est barré, donc je peux pas sortir par devant là. Donc il va falloir que je sois très vigilant parce que au niveau de... Alors là, tu vois, c'est un autre... Une autre chose qui arrive aussi, c'est que j'ai pas réussi à démarrer parce que j'avais oublié de remettre sur neutre. Donc si des fois tu arrives dans un car et que tu n'arrives pas à démarrer et que tu as bien soufflé dans l'éthylotest, mais que le véhicule ne démarre pas, ça peut venir soit ici de la boîte qui n'était pas en neutre. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose aussi qui m'est arrivé qui m'arrive des fois quand on m'appelle là sur la strand, c'est que le capot moteur il est pas bien fermé, parce que tu as des capteurs au niveau du capot moteur. Et s'il n'est pas fermé, tu peux pas démarrer, tu as une sécurité. Donc là, normalement, ça devrait être bon parce que je suis en neutre. C'est bon, moteur en route. Je vais remettre un peu de désembuage. Et j'enclenche l'enclenche. Donc pareil, tu vois, quand j'enclenche une vitesse, ce que je disais dans une autre vidéo, j'appuie sur la pédale de frein, j'appuie sur le R pour enclencher la vitesse. Je lâche le frein de parc. Bon, la ceinture, j'aurais dû la mettre avant, ça aurait été mieux. Donc là, je vais remettre les feux. Et je vais reculer, je vais faire attention parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des voitures qui circulent sur cet espace malgré que ce soit réservé aux véhicules de transport en commun. Et là, je vais reculer jusqu'au bout et me positionner ensuite dans le rond-point. Et ensuite, je vais remettre tout simplement les plots pour pas que des voitures circulent sur cet espace. Et donc, une fois que je vais rentrer, c'est ce que je fais souvent, hein, je vais faire
un compte rendu de ses essais dans la foulée. Pour moi, c'est impératif que le compte rendu soit réalisé aujourd'hui, comme ça, il n'y a pas de risque d'oubli après. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que j'arrive au bout, donc je vais arriver sur le rond-point là où il y a les plots en fait. Et il va falloir que je fasse attention parce que tu as beaucoup de circulation. Alors même si là, on est en heure creuse, donc bref, ce que je vais faire, c'est que donc là, je regarde dans mon rétroviseur droit s'il y a du passage. Je vais devoir être très attentif et y aller tout en douceur. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ici. Je vais ensuite tourner ici pour me placer, enfin pour tout simplement positionner le car là où j'étais tout à l'heure. Donc je vais tourner les roues côté droit et ensuite me replacer bien comme il faut pour pouvoir me garer dans le rond-point et ensuite remettre les plots comme il faut. Alors là, ce que je fais, tu vois, c'est que je regarde dans mon rétroviseur droit parce que les voitures arrivent par là. Donc là, le gauche, ça va être surtout un peu plus tard quand je vais arriver au bout près des plots. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tout en douceur. Comme ça, les voitures, ils vont voir que le car, l'attention du car, c'est de reculer. Mais je vais pas trop vite parce que si je vais trop vite et qu'il y a une voiture qui arrive au même moment, c'est un coup à accrocher. Et ce que je fais aussi, c'est que je regarde dans mon rétroviseur ici en haut parce que j'ai un grand rétroviseur et dans ce rétroviseur qui est assez grand, je vois bien les voitures arriver, tu vois. Je vois mieux même que par rapport à ce rétro-là parce que on voit les voitures qui arrivent dans le rond-point. Donc là, je vais tout doucement. Je regarde beaucoup mon rétroviseur droit. Je vais tout doucement. Comme ça, les voitures, ils me voient. Tu vois, là, il y en a une qui arrive. Je m'arrête. Et là, je fais attention à gauche parce que mon véhicule est en train de se déporter sur la gauche parce que mon porte-à-faux avant, là, est en train de balayer. Donc, je fais attention de voir s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de piétons, s'il n'y a pas de panneaux, des choses comme ça. Et là, je continue à avancer. Je vois une voiture dans mon rétroviseur intérieur. Donc, je la laisse passer. Donc, j'ai mes feux de détresse, hein. Toujours les feux de détresse allumés, pareil quand tu fais une marche arrière en autocar. Donc là, je vais tout doucement, je regarde mon porte-à-faux, les angles morts. Je regarde ici mon rétro aussi, je rentre dans le rond-point progressivement. Je vais tout doucement, je recule. Hop, et là, je vois qu'il y a un bus qui arrive, donc il me laisse passer, tu vois. Donc là, c'est cool, il y a un bus qui est en train de bloquer le rond-point. Il a vu que... voilà que je sortais tout simplement du rond-point. Donc je vais reculer, tu vois. Il est en train de me faciliter le passage parce qu'il bloque carrément tout le rond-point. Donc comme ça, c'est top. Et là, moi, je vais me placer comme il faut pour ensuite remettre tout simplement les plots. Et voilà. Donc en fait, c'est grâce au bus qu'il y a un articulé ou un standard. Non, c'est un standard qui bloque tout pour me... Bon, il y a une voiture qui l'a doublé, mais voilà. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que là, je vais... tout simplement remettre les plots. Je vais lui dire merci quand il va passer à côté de moi. Ça. Merci. Donc là, on va dire que le bus, il m'a bien aidé. Alors, je vais refermer la fenêtre parce que c'est un peu bruyant. Donc ce que je fais, c'est que je vais me repositionner en serrant à droite là dans le rond-point et je vais aller replacer tous les panneaux là pour bloquer la route. Voilà. Donc là, je suis bien. Je vais pas mettre, toi, je fais volontairement, je mets pas trop près parce que comme le car est haut, j'ai pas envie de cacher la visibilité de ceux qui traversent. Parce qu'il y en a qui traversent, des fois ils regardent même pas. Et s'il y a un qui arrive par là, qui traverse et qui regarde pas, s'il y a des voitures qui arrivent, qui doublent le car, c'est un coup à créer un accident. Donc bref, là je vais descendre, je vais prendre ma veste parce que il pleut quand même un petit peu. Je vais replacer les panneaux un peu comme je les avais trouvés. Et après on va retourner au dépôt de Guy Pava et puis je te fais une conduite expliquée. Hop. Allez. Thank you.
C'est un peu comme un jeu de Lego en fait, ça s'empile les uns dans les autres. Hop. Bon. Mais plutôt bien, je vais juste mettre les panneaux route barrée comme il faut. Hop. Et je vais faire gaffe aussi de mettre un support par-dessus parce que pour pas que le panneau tombe, je replace un poteau, enfin un support en plastique sur le support du panneau route barrée pour qu'il reste bien en place. Et il reste plus qu'un dernier que je vais mettre juste ici. Et là, on est bien. Allez, ça tombe bien au niveau de la flotte là. Allez hop, on est quand même bien au chaud. Je suis quand même bien trempé. Donc, tout est propre maintenant, ça a l'air bien. Parfait, allez hop, retour dépôt. Ah, je pense que côté positif, c'est que la largeur est suffisante au niveau de la circulation, au niveau de la gare routière. Après, au niveau aussi de stationnement, c'est plutôt bien. Au niveau longueur aussi, ça déborde pas trop sur la voie de circulation. Par contre, deux points négatifs, je trouve. Le premier, comme je disais, ça va être la giration. Après à vérifier, hein. Pour l'instant c'est un point négatif parce qu'on n'a pas pu vérifier, mais ça me semble comme assez juste au niveau notamment de l'espace quand tu sors pour pouvoir ensuite tourner et revenir sur ses pas. Et la deuxième chose, c'est ce panneau là, il y a un panneau sens interdit sauf bus, et je pense que ça sera pas trop respecté parce que en peu de temps là il y a quand même deux voitures qui se sont insérées dans l'espace de la gare routière. À voir. Donc la crainte, c'est qu'il y ait des automobilistes qui passent aussi par là, alors que c'est réservé au bus. Donc là, il y a un bus qui est arrêté à l'arrêt un peu plus bas. Donc nous, on va descendre. Comme tout à l'heure, on va repasser par le port de commerce et ensuite on va, ah là c'est bon il part, on va en profiter, je vais en profiter pour t'expliquer un peu les gestes de conduite. Donc là on va tourner à droite, donc je mets mon clignotant, je regarde mon rétroviseur droit, je prends assez large et hop je tourne, je regarde mon rétroviseur droit, mon positionnement, mon placement sur la voie de circulation, je regarde au loin voir comment c'est, parce que tu vois ça roule pas très vite, donc j'accélère pas trop, je regarde, tu vois là je viens de tourner un peu, donc je viens regarder mon rétro droit pour mon passage de roue arrière, voir comment je suis. Donc là ensuite j'accélère pas parce que ça roule pas très vite devant. Hop, je mets les essuie-glaces parce que ça commence à bien tomber. Un plot de Thelma, deux plots et hop, je relâche, donc là plus aucun plot, je laisse le véhicule couler, je regarde mon rétroviseur droit parce que là je suis en train de tourner, donc pour voir mon placement sur la route. Donc là pareil, je regarde loin devant moi, je laisse le véhicule prendre de la vitesse avec son inertie, là il va un peu trop vite, donc là j'ai mis deux plots. Je regarde mon rétroviseur gauche parce que là je tourne à gauche pour mon placement, mon rétroviseur droit aussi, j'accélère légèrement.
Hop, je vais ralentir un petit peu parce que là j'ai pas trop de visibilité. Hop, tous mes plots sont activés. Je prends assez large parce que le véhicule est assez long. Je regarde mon rétroviseur droit pour mon placement. Et là je ralentis parce que le véhicule qui est devant moi est à l'arrêt. Hop, là par contre je suis obligé d'appuyer sur la pédale de frein. Là, je laisse ce véhicule couler parce que ce que je fais aussi, tu vois, quand on est en descente comme ça, quand on roule pas très vite, j'accélère même pas, je laisse le véhicule avancer tout seul par lui-même. Là, par contre, je vais devoir accélérer, je mets mon clignotant côté gauche, je regarde mon angle mort, je regarde mon rétroviseur et là, je vais aller juste là. Donc, je mets mon clignotant côté droit, je regarde mes deux rétroviseurs, je regarde le droit, hop, et ensuite, je regarde loin devant moi. Ah, c'est calme donc. Je lâche la pédale d'accélérateur, je mets un plot de Telma, deux plots de Telma, trois plots de Telma. Bon là, je relâche un plot, je mets mon clignotant à gauche, je regarde mon rétroviseur. Hop, je mets un plot, deux plots, comme ça, j'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein, je regarde mon environnement, il n'y a pas. Ça passe bien, donc c'est bon, je regarde mes rétroviseurs. Ensuite, hop, clignotant à gauche, parce que j'ai tourné à gauche, je fais attention à la voiture, parce que là, il y a une voiture qui est sur ma droite. Qui était sur le point de s'insérer dans la circulation. Je fais attention aussi, il y en a un au stop qui voulait peut-être passer. J'anticipe aussi beaucoup, tu vois, la réaction des autres automobilistes, c'est beaucoup d'anticipation en autocar. Et on s'aperçoit que faut rester attentif à tout ce qui est autour. Des fois, tu peux avoir des piétons qui surgissent et que tu vois au dernier moment. Tu peux avoir des cyclistes, tu peux avoir des automobilistes, des fois, qui respectent pas toujours le code de la route. Donc c'est aussi beaucoup d'anticipation sur le comportement des autres automobilistes. Alors là, quand tu es en heure creuse comme ici, c'est calme et c'est assez tranquille. Par contre, en heure de pointe où tu as beaucoup d'automobilistes mélangés avec des piétons, des cyclistes en centre-ville, faut vraiment être attentif partout. Donc là, je regarde dans mon rétroviseur, il y a des voitures, donc je ralentis, je reprends l'accélération. Je mets mon clignotant à gauche parce que je vais pas sortir tout de suite là, je vais sortir ici, là je mets mon clignotant à droite. Je regarde mes rétroviseurs, je prends assez large, je regarde mon rétroviseur droit, mon placement. Et là ensuite je regarde devant moi, j'analyse un peu, tu vois aussi la circulation qu'il y a plus loin, donc ça roule. Il n'y a pas de ralentissement, donc voilà, c'est pour ça que je stabilise là, je suis à peu près à 35 km/h. On arrive sur une limitation à 30, je lâche la pédale d'accélérateur. Je mets un plot de Telma pour pas arriver trop vite sur le ralentisseur, deux plots de Telma. Donc là il ralentit tout seul, je lâche les plots de Telma, hop, passage de roue, premier passage de roue, hop, je prends un petit peu d'accélération. Et là on va redescendre, donc je lâche la pédale d'accélération, je touche à rien. Je laisse le véhicule couler. Hop, premier passage de roue passé après le Dodan. Donc là je reprends un petit peu de vitesse. Hop, 1, 2, 3 plots parce qu'il y a une voiture, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas de clignotant. Donc là. Je considère que quand elle met pas le clignotant, qu'elle va peut-être rester dans le rond-point, donc c'est ça que j'anticipe. Donc là, j'ai mis mon clignotant pour dire que je tourne ici, et là, je reprends un petit peu de vitesse. Donc là, je regarde au loin, voir un peu comment c'est. Je fais attention aussi, tu vois, tout à l'heure, on était dans l'autre sens, et il y a des voitures ici qui sont pas très bien stationnées, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je fais attention aussi à l'espace que prennent les autres automobilistes, tu vois, il y a un bus qui prend de la place au niveau largeur. Donc là, il va s'arrêter, donc ça le fait. Mais je suis attentif un peu à les véhicules ici qui sont en face de moi, quoi. Donc ça, c'est la conductrice qui m'a laissé passer tout à l'heure dans le rond-point. Donc là, je ralentis parce que il y a des véhicules ici qui sont à l'arrêt, enfin, il y avait un fourgon là qui est assez imposant, donc de bien vérifier que ça passe aussi au niveau largeur, au niveau des croisements. Je regarde mon rétroviseur, clignotant droit. Je regarde toujours loin devant ce qui se passe. Hop, je regarde mon rétroviseur, clignotant côté gauche pour dire que de mon intention que je vais tourner mais pas tout de suite. Donc ici, clignotant droit pour dire de mon intention de sortir ici. Je regarde mes rétroviseurs, positionnement sur la voie de circulation. Hop, je reprends la vitesse parce que là devant moi, il n'y a personne. Et là, je vais essayer d'être à 45 à peu près. On arrive à un rond-point, je lâche la pédale d'accélérateur. Un plot de Telma, je regarde mes rétroviseurs. Hop, je regarde un peu ce qui se passe au niveau du rond-point, c'est calme. Je
je regarde mon rétroviseur. Là, je me place carrément au milieu. Comme ça, je bloque toute la voie de circulation. Pour pas que des voitures ou des automobilistes qui essayent de me doubler par la gauche ou par la droite, je me mets carrément au milieu. Je regarde mes rétroviseurs, clignotant droit, parce que là, je vais sortir la première. Et là, je regarde loin devant, je regarde mes rétroviseurs. Et là, je reprends la vitesse, je tire mon clignotant. Et là, je reprends la vitesse parce que là, devant, c'est calme. Il y a des automobilistes qui sont loin devant, donc je peux prendre de la vitesse. Donc là, je suis à 60 km/h. Alors, il faut que je sois vigilant parce que je crois qu'on est encore limité à 50 sur cette portion de route. Donc, je vais ralentir un petit peu. Je suis à 55. Regarde mon placement sur la route, là je suis bien. Donc j'analyse un peu ce qui se passe parce qu'on arrive à un rond-point là-bas. Il y a aussi un système de barrière parce qu'il y a une voie ferrée, donc il peut y avoir aussi des trains qui passent, même s'ils sont très rares parce que là c'est des trains de marchandises. J'ai mis deux plots de Telma pour ralentir, on arrive au rond-point. Je laisse couler parce que là j'ai perdu de la vitesse. Je mets mon clignotant côté gauche parce que je vais faire le tour du rond-point. Je vais suivre le camion là-bas. Hop, je regarde dans le rond-point s'il n'y a personne. Je regarde mes rétroviseurs, je me positionne bien. Donc là, je reste à l'extérieur du rond-point. Clignotant côté droit parce que je vais sortir à la prochaine. Je vais prendre assez large. Je fais attention ici à mon angle mort s'il n'y a personne qui essaye de me doubler par la gauche. Comme je vais prendre assez large dans le rond-point pour ne pas le gêner. Là, je suis bien et je reprends de la vitesse, je regarde au loin. Je vois qu'il y a des agents sur la route là qui sont en train de travailler parce qu'il y a des flèches. Donc je vais devoir me placer comme le camion côté gauche. Il y a une voiture qui me double, donc pour l'instant je la laisse passer. Je mets mon clignotant côté gauche pour donner l'attention aux automobilistes qui sont derrière moi de passer côté gauche parce que... Ah bah c'est bon, ça a l'air bon, je vais me repositionner côté droit parce que finalement le fourgon il est plus loin. Comme ça, ça va libérer la place pour ceux qui veulent me doubler. Et voilà, tu vois, il y a le fourgon qui est là, je vais me mettre à gauche, je regarde mon rétroviseur côté gauche, je me place, il n'y a personne, c'est bon, je me place, je serre à gauche, tu vois, il y a un agent sur la route, je ralentis un peu quand même, je fais attention, hop, je remets mon clignotant côté droite, je regarde mon rétroviseur côté droit, je serre côté droit, je me repositionne bien, j'enlève mon clignotant, là je regarde un peu ce qui se passe devant moi au loin, donc ça roule bien. Je fais attention quand même au niveau de l'espace qu'il y a entre le car, moi, et la voiture devant moi pour qu'il soit assez important. Je regarde ma vitesse, 75 km/h, on est limité ici à 90. Là, je lâche la pédale d'accélérateur parce que j'arrive un peu trop près, je trouve, de l'automobiliste. Je mets un plot de Telma pour ralentir un peu. J'enlève le plot. Là, je touche à rien pour l'instant, en tout cas au niveau des pédales. Et là, je reprends un petit peu d'accélération. Ah, un Ouigo là. Qui arrive de Paris-Montparnasse. Et ce Ouigo, après, il va repartir à... Tu vois, là, il est 10h41. C'est départ 11h12, je crois. Il repart à 11h12 de Brest pour Paris-Montparnasse. Donc là, je stabilise ma vitesse. Tu vois, là, je suis à 75. Pour pas être trop près de la voiture devant moi, je vais ralentir légèrement. De toute façon, là-bas, on va sortir. Donc, ça sert à rien de prendre trop de vitesse. Parce qu'on va arriver à un rond-point un peu plus haut là-bas. Là, je regarde mes rétroviseurs juste comme ça pour voir comment ça se passe derrière moi et aussi en profiter pour voir la position du véhicule sur la chaussée. Donc là, tu vois, on va prendre Morlaix. Donc je vais rester sur ma droite. Je vais même mettre mon clignotant comme ça. Les gens, ils savent que mon intention, c'est de prendre ensuite la sortie suivante. Je regarde mes rétroviseurs, voir comment c'est derrière moi. Je ralentis, on est arrivé à 50 km/h. Et comme il y a de fortes chances qu'au rond-point je dois m'arrêter, bah je laisse que là je touche plus à rien, enfin je touche plus aux pédales, je laisse le véhicule avancer
avec son inertie. Je mets mon clignotant côté gauche parce que je vais faire le tour du rond-point pour aller en direction de Guipava. Donc là, je lâche la pédale d'accélérateur. J'essaye d'anticiper, je vais essayer de passer sans devoir utiliser la pédale de frein et donc sans m'arrêter. Ça va être compliqué parce que là, il y a des voitures qui arrivent. Je vais voir, mais je pense que je suis obligé d'appuyer sur la pédale. Ouais, j'appuie sur la pédale de frein, hop, je relâche, j'appuie sur la pédale d'accélérateur, je regarde mon angle mort ici. S'il n'y a personne qui essaye de me doubler de trop près du côté gauche, et là, je reste pareil à l'extérieur du rond-point. Donc là, je fais le tour tranquille. Donc là, on va sortir à la prochaine. Donc, je regarde mes rétroviseurs, côté droit, je prends assez large pour pas rouler sur la bordure à ma droite. Hop, je prends toujours assez large et là je reprends de la vitesse. Je regarde devant moi, ça circule bien. Donc là voilà, je reprends de la vitesse parce que je suis qu'à 50 km/h. Je regarde mes rétroviseurs, mon placement sur la voie de circulation. On est arrivé à 75 km/h. Je vois que ça bouge là-bas, il tourne à gauche. Ouais, il y a des agents sur la route, donc je vais devoir me placer à gauche. Donc je regarde mon angle mort. Je fais attention devant moi parce que ça freine. Je regarde mes rétroviseurs. Je ralentis. Hop. Un véhicule en panne. Là, je regarde dans mes rétroviseurs, voir si tout va bien, si personne essaye de me doubler par exemple par la droite. Je mets mon clignotant droit, je vais me replacer à droite pour que des véhicules qui souhaitent me doubler puissent le faire. Bon, là, je vais ralentir un peu parce que je suis un peu trop près du camion devant moi là. Ouais, j'aurais dû les doubler. Je pense que j'aurais eu assez de temps, mais c'est pas grave, je vais les doubler, je pense, après la sortie du rond-point là. Donc là, je regarde mes rétroviseurs, je mets aussi mon clignotant côté gauche. Je lâche la pédale d'accélérateur, je mets un plot de Telma. J'enlève le plot de Telma parce que là, je perds trop de vitesse. Je réaccélère un tout petit peu. Je regarde un peu ce qui se passe dans le rond-point, mais tout en vérifiant ce qui se passe devant moi, parce que ça arrive d'ailleurs assez souvent qu'on regarde trop ce qui se passe là sans regarder ce qui se passe là. Et ce qui se passe, bah, clairement, c'est que il y a des cars qui accrochent parce qu'ils regardent s'il y a du monde qui arrive dans le rond-point. Et hop, ils sont surpris parce que l'automobiliste, pour je ne sais quelle raison, il s'arrête. Et comme on n'a pas regardé devant nous, et ben le car il vient taper contre la voiture. Les ronds-points, c'est. Ça peut être aussi assez vicieux parce que si tu regardes pas d'abord si la voiture qui est devant toi n'est pas complètement partie, et si tu regardes, on va dire, d'abord si une voiture qui est encore dans le rond-point avant de t'insérer et que tu fais pas attention à ce qui se passe juste devant toi, c'est un coup à taper dans le véhicule qui est devant toi. Donc moi, ce que je fais, c'est que bah, je regarde déjà dans le rond-point d'abord. Bon, finalement, je vais pas avoir l'occasion de doubler les camions là, j'ai pas pris assez de vitesse. Donc je te raconte, ouais, pour les sujets des ronds-points, c'est que quand tu arrives à un rond-point, donc peut-être déjà de regarder, d'analyser la situation, de voir s'il y a des automobilistes dans le rond-point, mais par contre de rester tout le temps vigilant dès lors que tu as une voiture devant toi, dès qu'elle n'est pas sortie, enfin dès qu'elle n'est pas rentrée dans le rond-point, dès qu'elle n'est pas complètement rentrée, de vraiment faire attention, parce que si tu regardes trop ce qui se passe dans le rond-point, tu vas oublier de faire gaffe à ce qu'il y a devant toi, et tu risques, en regardant trop ce qu'il y a dans le rond-point, de ne pas la voir si l'automobiliste a l'intention de s'arrêter. Et ça arrivait à plusieurs reprises, tu vois, d'avoir des accidents de car parce que ben, il pensait que la voiture qui était devant lui allait partir, sauf que pour X raison, elle s'arrête, et que vu qu'on était en train de regarder ce qui se passait dans le rond-point, on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir s'arrêter sans l'accrocher, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois, là je regarde le rond-point, mais je regarde toujours ce qui se passe devant moi. Là le camion il est passé, donc c'est bon.
hop, clignotant droit, je regarde à gauche si tout est bon, je prends assez large, je regarde mon angle mort, je regarde au loin, puis là, je reprends de la vitesse, je prends assez large. Mais là, sur les ronds-points comme ça, ça va parce que c'est des ronds-points qui sont assez grands, donc la largeur est suffisante pour pas déborder sur la voie opposée. Donc là, je mets mon clignotant, il y a une voiture qui essaye de me doubler, mais je passe avant elle pour pouvoir doubler le camion là parce qu'il va perdre de la vitesse avec la pente. Donc là, je regarde mes rétroviseurs, mon positionnement. Dès que c'est bon, je me repositionne, je mets mon clignotant côté droit et je me repositionne côté droit. Comme ça, la voiture qui voulait me doubler là va pouvoir me doubler. Donc là, je regarde au loin parce que ici aussi, tu arrives à un rond-point, tu peux avoir des ralentissements. Alors à cette heure-là, c'est quand même assez rare parce qu'on est en heure creuse. Mais je regarde vraiment ce qui se passe au loin pour voir s'il n'y a pas des ralentissements, auquel cas il faudra que je ralentisse. Là, je vais déjà anticiper, je lâche la pédale d'accélérateur, on arrive à un rond-point, je laisse le véhicule couler. Pour l'instant, je touche à aucune pédale. Et là, je vais ralentir. Premier plot, je regarde mes rétroviseurs. Deuxième plot, je mets mon clignotant côté gauche. J'enlève un plot parce que là, je perds trop de vitesse. J'analyse un peu la situation. Je fais attention à l'automobiliste ici, voir s'il rentre bien sur le rond-point. Donc c'est bon, donc là, je regarde un peu ce qui se passe sur le rond-point. Je mets un plot de Telma parce que je vois pas ce qu'il y a derrière le camion. Il y a une voiture, mais c'est bon, elle a mis son clignotant. Donc je reprends de la vitesse et je reste à l'extérieur du rond-point. Là ensuite, je vais prendre la prochaine sortie. Je remets mon clignotant côté droit, je regarde mes rétroviseurs. Je prends assez large, je fais attention ici qu'il n'y a personne qui me double sur la gauche. Et je reprends de la vitesse, je vais prendre la première à droite tout de suite ici pour aller sur la voie express. Donc hop, clignotant, je consulte mes rétros, je regarde ce qui se passe devant moi. Et là, j'enlève mon clignotant. Et je prends de la vitesse, mais pas trop, parce que là, je suis dans un virage, donc je ne vais pas accélérer trop fort. J'accélère légèrement. Et une fois que mon véhicule sera droit, je vais accélérer à fond pour prendre de la vitesse. Donc là, mon véhicule, hop, il est droit. J'accélère à fond, je mets mon clignotant, je regarde s'il n'y a personne, c'est bon. Je me positionne tout de suite hein, au quart. La règle, c'est pas d'aller au bout de la voie, c'est vraiment de sortir dès qu'on peut. Donc dès que tu es dans une bretelle de sortie, dès que tu peux sortir, tu sors tout de suite en quart. Donc là, je prends de la vitesse, bah, un petit peu trop parce que là, je suis à 95. Donc là, je vais me stabiliser à 90. Voilà. Donc là, je suis à 90 km. Je suis à 92. Je vais ralentir un peu. 90 km/h. Donc là, je vais me stabiliser. Devant moi, ça circule bien. Regarde un peu mes rétros, voir comment c'est derrière moi, mon positionnement sur la voie de circulation. Et je vais déjà anticiper parce que on va prendre la prochaine sortie pour rentrer au dépôt. Donc assez tôt, je vais mettre mon clignotant pour avertir les autres usagers derrière moi que je vais prendre la prochaine sortie. Donc là, on est à 300 mètres à peu près. Allez hop, je regarde mes rétroviseurs, je mets mon clignotant. Je lâche légèrement la pédale d'accélérateur. Je suis à 85 km/h. Sachant que la sortie là-bas, il faut qu'on soit à 70. Donc là, je lâche complètement la pédale d'accélérateur. On est à 75. Je mets un plot, deux plots, trois plots de Telma. Et là, je appuie sur la pédale de frein parce que j'arrive un peu vite. C'est limité à 50. Je suis à 55. Je lâche la pédale de frein. Je lâche les plots de ralentisseur. Je regarde ce qui se passe devant moi. Hop. Au niveau circulation, on arrive à un rond-point, donc j'anticipe. Bon, c'est bon, ça circule bien. Je regarde mon rétroviseur droit. Je mets mon clignotant à droite parce que je vais sortir à la première sortie du rond-point. Hop, je joue avec le ralentisseur. Je prends assez large, je regarde mes rétroviseurs, mon positionnement. Et là, je reprends de la vitesse. Je regarde mon rétroviseur droit pour pas rouler sur la bordure. Et je reprends de la vitesse. Donc là, je regarde encore devant moi. Et j'accélère pas trop parce que tu vois là je lâche la pédale d'accélérateur. On arrive à un rond-point donc il n'y a aucun intérêt à accélérer fort et à freiner après. Donc là j'anticipe, je mets des pots de ralentisseur, je suis au deuxième plot. Hop, je mets mon clignotant, troisième plot. Sur ce véhicule il n'y a que trois plots de ralentisseur. C'est un Euro 6 et je crois que c'est un ralentisseur hydraulique je crois. Alors je suis pas sûr de moi. Hein. Là, je crois que c'est un ralentisseur hydraulique. Bon, bref, donc là, je prends assez large pour prendre la sortie. J'accélère pour prendre de la vitesse. Donc là, j'accélère au maximum. Je regarde mes rétros. Et maintenant, je regarde au loin.
Et ensuite, prochain rond-point, donc je vais pas arriver trop vite sur le rond-point, je vais lâcher tout de suite l'accélération, je regarde mes rétroviseurs, clignotant côté gauche, un plot de Telma, deux plots, je regarde un peu autour de moi comment c'est, il n'y a personne dans le rond-point, ça va être bon. Donc là, je fais le tour complet du rond-point. Donc là, je reste toujours bien positionné à l'extérieur du rond-point. Je regarde mes rétroviseurs, mon placement, je vais chercher un peu la sortie, voir ce que ça donne, parce qu'il faut prendre assez large, il y a une voiture qui arrive, donc je vais ralentir un peu pour la laisser passer et ensuite utiliser un peu mon espace pour me déporter légèrement sur la voie opposée. Et là, hop, je stabilise, je suis à 40 à peu près, 35, allez, 35 km/h. Donc là je vois qu'il y a un piéton, je fais attention, je sais pas trop ce qu'il fait. Il va peut-être traverser, donc je reste vigilant, je regarde mes rétroviseurs, mon positionnement. Je ne serre pas trop à droite parce que autrement je vais toucher la bordure du trottoir. Je regarde au loin, voilà, c'est calme, il n'y a pas d'automobile ou de camion là dans la zone. Donc là je ralentis parce que je vais tourner à droite pour arriver au dépôt. Je mets mon clignotant, je regarde mes rétroviseurs. Bon, après le clignotant, c'est pas forcément nécessaire parce que là, c'est, on va dire, la continuité de la route. Alors je ralentis, je fais attention à mon positionnement ici parce que il y a du passage. Je serre à droite, mais pas trop. Hop, et on arrive au dépôt. Donc là, je vais anticiper, voir s'il y a personne qui arrive en face parce que quand j'arrive au dépôt, j'aime bien prendre assez large parce que l'espace est pas très 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 large. Donc pour éviter d'accrocher, je prends assez large ici. Donc je regarde devant moi, il y a personne. J'ai mis mon clignotant, je ralentis avec le ralentisseur. Là, j'appuie sur la pédale de frein pour pas arriver trop brusquement sur la petite bordure qu'on a quand on monte sur le dépôt. Je regarde mon rétroviseur droit pour pas accrocher parce que là, je suis à proximité de l'extrémité de la barrière. Et là, je vais ensuite me positionner à l'emplacement sur lequel ce véhicule est affecté. Je crois que c'est celui-ci, le 20. En d'habitude, il y a une étiquette, mais là, je vois pas d'étiquette. Bref, donc là, je regarde mes rétroviseurs, je mets les feux de détresse avant de reculer. Hop, ensuite, je suis en D, donc je mets en neutre. J'appuie sur R pour marche arrière. Et ensuite, hop, je vais reculer tout doucement. Donc, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Une fois que tu as passé la marche arrière, donc il suffit juste de lâcher la pédale de frein. Et le véhicule il recule tout seul. Alors là je suis vigilant parce que je vais me mettre entre deux véhicules, donc de faire en sorte de ne pas accrocher un des deux. Donc je recule tout doucement, s'il faut je me repositionnerai parce que avec la flotte là on voit pas bien dans le rétro. Donc là je vais tout doucement, je vais serrer celui que je vois le mieux là parce que le véhicule que je vois le mieux c'est ici, côté droit. Et là je vois que je suis bien placé maintenant à côté du récréo qui est sur ma gauche. Et la règle ici c'est de serrer quand tu te gares la bande côté gauche. Donc maintenant je suis en train de chercher à serrer la bande continue côté gauche. Et après derrière il y a un système de en bois qui permet de caler ta roue arrière pour avoir un repère pour savoir à quel moment t'arrêter. Donc là je vais braquer légèrement parce que je vais m'aligner tout simplement avec la fameuse ligne continue. Comme ça je suis positionné sur celle-ci côté gauche et normalement on devrait pas tarder à sentir le support en bois là. Regarde, j'ai serré un petit peu trop la gauche mais ça le fait quand même. Je pense que j'aurais pas besoin de faire une... Voilà, là je suis bien. Là je sens le système en bois, c'est-à-dire qu'il y a la roue arrière côté gauche qui est dessus. Donc je vais mettre en neutre, je lâche la pédale de frein pour descendre légèrement. Comme ça, je suis pas dessus quoi, je suis juste, on va dire, j'ai décollé la roue arrière de ce support en bois. Je coupe mes essuie-glaces, je coupe mes feux de détresse, j'enlève ma ceinture. Je coupe mes feux, je coupe le désembuage et je pense que j'ai tout coupé. Et c'est important aussi, enfin moi j'aime bien quand je récupère un car, bah si il y avait le numéro ici, 20, il était caché. Je coupe le contact.
Ouais, ce que je disais, c'est que j'aime bien aussi, tu vois, quand je suis avec un. Enfin, quand je récupère un car, que tout soit coupé. Donc, d'où l'importance quand tu reviens de bien couper tout ce que tu avais mis en route. Donc, moi, c'était par exemple le désembuage, les feux, que ce soit à l'intérieur, l'extérieur, les essuie-glaces, de bien remettre sur neutre. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je suis parti et j'avais oublié de remettre sur neutre et j'avais pas réussi à redémarrer le véhicule parce qu'il y a une sécurité. Hein. Tu peux pas démarrer quand la position D est en place ou la position R. Hein. Il faut absolument que sur le clavier ce soit en position neutre. Et puis c'est tout. Enfin, voilà, l'essentiel c'est aussi que tu puisses récupérer un véhicule qui soit comment, avec toutes les fonctions, on va dire, coupées. On s'arrête là pour cette vidéo et puis nous on se retrouve dimanche prochain, donc ça sera soit un reportage, soit un quotidien magazine, donc pareil à 17h comme toutes les semaines, ou sinon rendez-vous lundi à 8h pour un nouveau podcast. Kenavo. Okay,